CID est ravi de partager le calendrier de production de mise à jour sur le Progress Tracker jusqu'à la fin de l'année 2024. Ils ont apporté quelques modifications au fonctionnement de la roadmap, reflétant l'approche plus agile qu'ils adoptent à mesure qu'ils approchent des étapes majeures de développement. Cela entraîne un changement important de la manière dont les délivrables sont suivis, tout en continuant à offrir une transparence sur les priorités de leurs étapes. Ils ont modifié le système pour vous donner un meilleur aperçu de ce sur quoi leurs équipes travaillent tout au long de l'année 2024 et de l'année 2025 à venir. Depuis que Squadron 42 a atteint le statut Feature Complete l'année dernière, ils ont réorganisé leurs équipes en groupes interdisciplinaires pour préparer les prochaines étapes, notamment la 4.0, la 1.0 et le lancement de Squadron 42. En conséquence, les délivrables sont désormais suivis par le propriétaire de chaque fonctionnalité, et c'est ainsi qu'ils seront affichés sur le Progress Tracker à l'avenir. Les équipes en aval, telles que les équipes audio, VFX et autres, ne seront pas représentées individuellement, car leur travail est intégré dans les objectifs principaux. Cette approche simplifiée permet également de trouver plus facilement leurs équipes concernées. Ces nouveaux groupes apparaissent désormais en haut de la liste. Avec cette mise à jour, ils ajoutent au Progress Tracker le Core Gameplay Pillar et les équipes Caractère Art et Tech, les deux équipes Vehicle Content et les Location Pillar. D'autres équipes délivrables seront ajoutées au fil du temps. De plus, au fur et à mesure qu'ils affineront le calendrier de production pour 2025, ils ajouteront d'autres équipes, groupes et contenus, et bien sûr, ne manquez pas la CitizenCon qui aura lieu dans moins de 2 mois. Personnellement, je couvrirai l'entièreté de l'événement en live sur Twitch. Je vous invite donc à être à l'affût pour ceux qui veulent participer. Avez-vous votre billet ? On note aussi la présence de pas mal de lignes sur le Progress Tracker, non annoncées, qui pourtant ont une planification jusqu'à novembre, décembre, voire janvier pour certaines, avec pas mal de semaines de travail, à mon avis. Ça annonce du lourd pour la CitizenCon de cette année, donc on va voir ça ensemble et on va bien sûr en débattre. Ils ont ajusté la fenêtre de sortie de l'Alpha 4.0 au 4e trimestre 2024. L'Alpha 3.24 et sa mise à jour de fonctionnalités de gameplay systémique ont nécessité une attention particulière pour s'assurer que les problèmes nécessaires soient résolus avant la sortie, ce qui a entraîné un processus PTU plus long. Alors que le travail sur les fonctionnalités et la technologie de 4.0 se poursuit simultanément, ils ajustent le calendrier de sortie pour s'assurer que l'Alpha 4.0 bénéficie d'un temps de test approprié. Indécidément, j'ai vraiment la voix cassée. La carte suivante a été rajoutée à la Release View pour une sortie avec l'Alpha 4.0. Concernant les nouvelles missions, réparation, charge et drainage. La mise en place de nouvelles missions qui introduiront l'ingénierie dans l'univers persistant, apparaissant pour la première fois dans les avant-postes de Pyro. Les joueurs devront se rendre sur place et réparer des éoliennes, des relais, des extracteurs d'humidité ou des panneaux solaires. Pour ce faire, ils devront réparer des éléments avec leur multi-outil, recharger des batteries avec la nouvelle fonctionnalité de charge et drainage, ou remplacer les composants qui sont cassés ou manquants. Je m'attends déjà à ce qu'une partie des joueurs, je pense notamment aux recycleurs, et c'est ce que je ferai aussi, utilisent les carcasses des vaisseaux en perdition un peu partout dans le verse et des vaisseaux abandonnés pour du recyclage, comme c'est maintenant possible, notamment sur les avant-postes. Par contre, avant de les recycler, les désosser totalement pour revendre ou réutiliser leurs armes, leurs composants, et maintenant aussi les relais, que nous pouvons transporter d'un vaisseau à un avant-poste, par exemple pour réparer ses batteries, ses éoliennes. Aussi concernant la roadmap, on a vu donc qu'ils ajustent la fenêtre de sortie de l'Alpha 4.0 à Q4 2024, ce qui est déjà plus logique quand on voit le retard qu'a pris la PTU de la 3.24, et qu'on sait que la 4.0 nécessitera au moins des tech previews, des tests Evocati, et toute une série de tests en PTU avant de sortir officiellement en live en Q4. En tout cas, c'est bien de voir que ça avance. Concernant les nouvelles missions de réparation, charge et drainage, mais aussi de recyclage qu'il va y avoir en FPS, on l'a vu dans le dernier ISC, on note aussi des nouvelles tâches ajoutées au Progress Tracker, notamment la construction de base, l'artisanat, le polissage de Squadron 42 et bien sûr le RSI Polaris. Ce dernier sort officiellement à l'IAE 2024, ou en tout cas dans cette période, soit pendant, soit juste après, s'il a un petit peu de retard encore, mais il devrait sortir pendant l'IAE, c'est officiel. Concernant maintenant le dernier patch Star Citizen Alpha 3.24, la version PTU 92, 90 et 875 pour être précis, on peut désormais trouver l'ajout de nombreuses nouvelles locations de vaisseaux de transport de cargaison à tous les magasins de location. Je suis donc allé voir au magasin de location du Spaceport de Lorville et j'y ai noté effectivement la présence de pas mal de nouveaux vaisseaux, notamment un Hull A, Caterpillar ou encore un Constellation Taurus. Au cargo center des stations orbitales et aux raffineries des stations des points de Lagrange, et aucune modification n'est encore apparue. C'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver puisqu'il parle bien de tous les magasins de location. Par contre, c'est à noter le prix ridicule des locations des nouveaux vaisseaux.
Quand on voit par exemple 1000 et quelques AUC pour une journée pour un constellation Taurus, quand on sait que la location d'une journée d'un constellation Andromeda est plutôt de 200 000 AUC. Donc c'est très bien, je suis totalement pour l'ajout de ces nouveaux vaisseaux à la location, des nouvelles possibilités que ça implique, mais il faut vraiment que CIG s'attarde sur les prix et fasse une révision complète, par exemple en fixant les prix par rapport à la taille du vaisseau, sa capacité cargo, sa solidité et même son constructeur. J'avais espéré voir par exemple au minimum 50 000 AUC la location pour une journée d'un Caterpillar. Je pense que CIG est en train de travailler dessus et qu'on verra ça arriver dans les prochains patchs. Personnellement, je trouve ça génial que CIG permette enfin la location de beaucoup plus de vaisseaux, beaucoup plus de choix gameplay. En plus, on note la présence d'un des vaisseaux de location très intéressant, le SRV. Le SRV est un vaisseau que pas mal de gens essayent de garder en pledge parce qu'il peut être très pratique dans plein de situations, surtout en organisation. Le fait de pouvoir le louer va dégager un peu de budget par rapport au pledge de ceux qui veulent melt leur SRV ou l'upgrade. Cela est rendu possible par l'ajout de la location du SRV directement dans le jeu et je trouve ça génial. En plus d'ajouter des options de location qui vont profiter aux organisations, cela profite aux joueurs solo ou en petit groupe qui pourront louer des gros vaisseaux de cargo, faire du commerce beaucoup plus facilement, aborder un gameplay plus ouvert, non combat, c'est-à-dire on va dire PVE, un gameplay qui, bon, ils vont rencontrer de temps en temps des problèmes, mais qui sont axés beaucoup plus tranquille, commerce, le transport de marchandises. Et tout ça va permettre aussi peut-être plus de piraterie, puisque finalement plus de gens qui commercent, plus de possibilités de recyclage, de minage, de transport de marchandises vont permettre à la communauté pirate de Star Citizen de s'épanouir. En tout cas, je l'espère. Je trouve cette initiative de CIG très bien et j'ai hâte de voir les joueurs évoluer en ce sens. Décidément, cette 3.24 va réellement changer notre façon de jouer à Star Citizen et personnellement, je pense que c'est pour le mieux. Encore une fois, il y aura un temps d'adaptation pour la plupart d'entre nous. Mais je pense vraiment que nous serons tous d'accord pour dire à terme que ce changement est une bonne chose. Avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler qu'aujourd'hui, 22 août 2024, c'est la dernière journée de la Free Fly du Ship Showdown. Vous avez jusqu'à 23h il me semble pour pouvoir tester Star Citizen gratuitement simplement en suivant le lien de la Free Fly sur Robert Space Industries et en créant votre compte en utilisant mon referral code, mais vous pouvez directement bien sûr suivre le lien en description pour devenir citoyen. Sur ces paroles, je vais vous laisser. Désolé pour ma voix tout au long de cette vidéo. J'ai la voix cassée, je pense être un petit peu malade. J'espère que la prochaine fois, j'aurai retrouvé ma voix normale. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était l'Irrégulier. À très vite dans Star Citizen.